L'eau est bonne. Je peux avoir des algues sur mes pieds pendant que j'embarque là-dedans. Are you ready? C'est parti.
va-tu s'asseoir à la chaise? Ce serait nice. Mais non, on va pas accoster. Ça ne tombe pas. Ça, c'est mon Banana Dream. Encore très bon.
Si j'avais eu mes suivis, j'aurais pris mon kayak, je l'aurais transporté jusqu'à l'autre bord, puis je l'aurais fait plus loin. Mais je pourrais le faire, mais... Yes! C'est la première fois que je vais là. Je suis pas certain s'il faut tourner à droite ou continuer tout droit. Je vais arrêter la vidéo puis je vais aller regarder, se vérifier sur Google Maps. Je pense qu'il faut que je tourne à droite parce que je suis pas sûr que ça passe là-bas. Mais je sais pas pourquoi on dirait qu'il y a un chemin. Complètement au fond là-bas. Je vais quand même rapidement finalement. On dirait pas, mais. Ok. Écoutez, j'ai bien fait de checker rapidement sur Google Maps parce que c'est ici qu'il fallait passer finalement. Un petit gazebo juste à côté. Donc, c'est la première fois pour moi que je viens ici. Autant pour vous qui regardent la vidéo que moi en ce moment. Donc, c'est un plaisir de partager ce moment-là.
se rapprocher un peu plus. C'est quand même le fun ici parce que vous avez, on a le lac. Les personnes qui habitent ici ont le lac dans leur cour. Mais en plus de ça, ils ont pas de maison en face. Ils ont comme une petite forêt, c'est un petit lac isolé. Ouais, c'est quand même bien. Un peu plus, tu sais, c'est, on dirait que c'est quasiment leur lac à eux, là. J'ai hâte de voir où est-ce que ce chemin-là va mener. Magnifique, j'aimerais tellement s'accoster juste à droite. Sauf que je suis pas sûr que. Mais en vrai, on pourrait. Mais non, c'est vrai, j'ai pas de chaussures. Oh, on a des oiseaux au-dessus de notre tête. On a un petit oiseau. Je sais pas si on l'a vu sur la caméra. Hey, salut toi! Oh, yes! Sur un autre lac. Ben, c'est le même lac, mais je veux dire... Oh non, je pense que c'est vrai. À partir d'ici, le lac change de nom. En tout cas, je suis pas mal content d'être passé par ici. Parce que ça va me permettre de pouvoir découvrir des nouveaux chemins. Finalement, c'est bon. C'est juste ici qu'il faut tourner.
C'est-tu que ça me fait des belles vidéos, ça? Oh my god. J'avais pas à croire que je vais. Parce que là, on est resté. On est venu. On est parti vers 4h30 au chalet hier. 4h30 du soir, de l'après-midi. On est arrivé ici vers quoi? Peut-être 5h30, 6h. Puis ouais. C'était vraiment le fun. Puis fait que. On a dormi. Puis aujourd'hui, ben là, on est tôt le matin. Je dirais qu'il est 9h30 peut-être. Fait que c'est ça. À peu près à 9h30, là. Prends ça relax aujourd'hui. J'ai envie de faire du kayak ce matin. J'ai envie d'en faire au lever du soleil, sauf que vraiment ici, le soleil, il se lève très tôt. Puis, disons que j'étais pas prêt d'être debout à cette heure-là. Je me suis levé à 6h30 environ. Puis, on est allé déjeuner. C'était très bon. Après ça, on est revenu. J'ai pris tout de suite les clés. J'étais allé chercher le kayak en dessous du chalet. Puis, je suis parti. Je voulais absolument faire du kayak ce matin. En vrai, je me suis levé vers 6h30, 7h. C'était ça, l'oiseau électronique. Je sais pas si on l'a entendu. Je vais me laver les mains. Oh mon Dieu, c'est du sable mouvant! Complètement hors de l'eau. Une belle petite aile. Quand même cool, ça. Comme petite affaire. Oh my god, tellement nice! Oh, des petites crottes. On va pas piler dedans. Puis ça mène à l'autre côté. Oh, il y a une belle petite sculpture. On va aller voir c'est quoi. Avec un peu d'eau juste là. La sculpture. Oh, je pense qu'il y a un autre. Donc, il y a beaucoup de traces d'animaux, des pattes d'animaux, des roches empilées, des roches avec les yeux. Encore une fois là-bas. Il faut que je sois ici de nu-pied. Ah, ok. Oh mon Dieu, je suis sur une route. C'est une affaire.
vraiment cool. Je propose qu'on continue pas là pantoute. Je propose qu'on revienne, puis qu'on continue à explorer un petit peu vers là-bas. Et après ça, on va revenir sur nos pas. Grenouille qui a sauté dans l'eau. On va revenir. C'est le fun. Quand même, on a découvert un petit peu ici. C'était-tu par là ou c'était par là? Je sais qu'il y avait du caca ici. Fais attention. Pas piler dedans. Ah, il est là. Et voilà. L'œil. Ah, oh, c'est les deux yeux. Ah, dans... ok, dans le fond, c'est un bonhomme sourire, j'avais pas vu. Oh, j'aimerais ça avoir une paire de jumelles pour observer les oiseaux. J'aurais dû apporter ma paire de jumelles ici. Je suis con de pas y avoir pensé. Prochaine fois. Ça, c'est certain. On va remettre le kayak à l'eau. On a un terrain de golf juste à côté, je pense. Il y a des gens qui jouent au golf. Essaye de tourner le kayak de côté. Ok, pied de gauche en premier. Oh! 3, 2, 1. Oups. Let's go. Un pied. On lave l'autre pied du sable. Et on le met. Let's go. Here we go. J'espère qu'on a entendu. C'est vraiment impressionnant comme bruit, sérieusement, ça, à chaque fois ça m'épate. Je propose qu'on accélère un petit peu.
Ouais, on a vraiment un terrain de golf. Oh, on va se laisser aller ici. Puis je vais vérifier sur Google Maps le chemin qu'on doit prendre. Gros terrain de golf, personne qui joue, qui ont du fun aujourd'hui. C'est une estime belle journée pour jouer au golf en plus. Surtout ici. Ah, oh, c'est qu'on est bien, la température est juste parfaite. À partir d'ici, je vais checker sur Google Maps. C'est bon, on continue ici. Oh, un petit chemin. J'ai vraiment envie de l'emprunter à gauche. Qu'est-ce qu'on a à voir? Ouais, ça va-tu? Non, c'est une mauvaise idée. Ça aboutit nulle part. Je viens de voir.
Ah, c'est le fun, ça connecte à droite, on dirait. Juste là. Mais je pense que ça connecte pas au Grand Lac. Je pense que c'est juste un tout petit chemin. Qui mène à un cul-de-sac? Je pense que c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je veux au moins passer en dessous d'un pont. C'est ma seule règle. Je vois ça, ça se plie des deux bords. Je veux juste être sûr qu'on est sur le bon chemin. On a un ami le canard là-bas. Back in the track. C'est le fun d'avoir un courant aussi paisible en parlant de l'eau.
Défense de passé, plage privée. Mange la marde, je vais y aller si ça me tente. C'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est pas creux ici. On va aller plus vers le centre. Oh, on a un arbre penché. Magnifique. Oh, les imperfections de la nature. Oh, wow. Terrain privé. Oh, on pourrait accoster ici. Est-ce qu'on va vraiment le faire? Non, parce qu'il n'y a pas de chemin pour y aller. Ouais, pas besoin. On a beaucoup de canards sur notre chemin. Parce qu'on a juste jeté un petit coup d'œil à gauche. Ça m'a l'air vraiment mystérieux comme endroit. Puis j'ai vraiment envie d'y aller. On dirait qu'il y a de la place pour marcher. Peut-être que je pourrais. Oh non, sinon il y a de l'eau de l'autre bord, c'est niaiseux. On oublie ça. On oublie ça. Laissez-moi m'en aller. Et c'est reparti.
Je pense qu'on va atteindre un petit pont bientôt. Je commence à avoir hâte. Oh! 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 À droite! Qu'est-ce que c'est? Ok, non, on est pas. Je pense pas qu'on peut aller là. Non, on peut pas aller là, malheureusement. Yes, le pont, yes, yes! Oh! Une maman canard avec tous ses bébés! Trop mignon. Donc, je suis rendu à côté. Je suis rendu à côté de l'écurie. C'est ça, c'est le pont à côté de l'écurie. On entend la maman canard avec ses bébés canards. Oh mon Dieu, c'est pas profond ici. Ok, ouais, vraiment pas. Ah, c'est le fun. Je pense que le fait qu'on soit rendu ici, ça prouve que ça va être bientôt le temps de revenir sur mes pas. Parce qu'il va falloir que je me retape toute la route pour revenir. Quand même, là, c'est pas rien. Je vais voir si ça va être l'écho. Juste un peu.
qu'on est bien. C'est maintenant l'heure de revenir. Ça va être un peu plus facile. On va être dans le sens du courant, dans le sens du vent. Ça risque d'aller bien. Let's go. Wow, ça va bien, ça va vite. On s'arrête pas. Oh, ça va bien, on est porté par le courant. Enfin, qu'est-ce que j'ai là? Mon dos commence à me tuer. Encore une fois, banana dream. Very, very resinous. Et c'est éteint, le petit fils de pute. Oh, comme ça, on repose mon dos.
Je tiens à dire que mes filtres sont biodégradables. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste enterrer le restant de qu'est-ce que j'ai. C'est qu'on va se rapprocher. Oh my god, ça c'était froid. J'ai eu de l'eau partout sur moi. Dans la petite puff. Ça serait quoi? Ok, c'est bon, je vais le faire. Donc, ouais. Et voilà. Oh boy! Ok, je suis pogné. Calice. Ok, et voilà, on se dépogne. Oh mon dieu, on est déjà rendu à l'arbre de tantôt. Mon gars, c'est le fun d'aller aussi vite comme ça.
danger. Trajectoire de balle de golf. Nous, on s'en va là. De toute façon, on s'en va à gauche. C'est là que je me rends compte à quel point le kayak, c'est vraiment un... Moi, je peux considérer ça comme un sport. Ben, en vrai, ça n'est un. C'est du plein air, c'est un sport léger quand même. Sauf que ça fait travailler autant le dos que les abdominaux, que les bras. Sérieusement, c'est un très bon exercice. Ça fait, puis en plus, ça fait tellement du bien. C'est relaxant. C'est... Si vous êtes dans un bel endroit, ça probablement que ça va être juste extraordinaire et magnifique comme endroit à juste être et se détendre. Que ouais. Magnifique. Je vais faire du vélo en revenant. Je vais certainement le filmer ça aussi. En arrivant au chalet, je vais faire de la place sur mon téléphone. Je vais faire des belles grosses vidéos. J'ai vraiment hâte de tout monter ça. On se rapproche tranquillement. Là, on est proche de où ce qu'on a accosté tantôt. Fait que déjà, c'est quand même proche.
Ça va vraiment vite. Ok, c'est juste un petit 20% de batterie, c'est bon. On va encore continuer. En vrai, le chemin pour revenir est vraiment moins compliqué parce que... Oui, gars, ça c'est la place que je regardais tantôt. Ok, c'est parfait. En vrai, c'est moins compliqué de revenir étant donné qu'on n'a pas toutes les... On n'a pas sur plusieurs chemins. Pour revenir, c'est vraiment un chemin. Là, c'est le lac qui aboutit à une place là-bas. OK. J'aimerais ça peut-être aller à la chute. Mais je vais pas le faire. Ça va bien? C'est tellement une belle place, c'est tellement charmant, ça... Sérieusement, c'est incroyable comment c'est un bel endroit ici. Les gens sont toujours sympathiques. L'endroit est juste magnifique. Tout le monde, la plupart des personnes respectent les autres. C'est toujours facile d'avoir une petite... Toujours une petite jasette avec la personne que tu vas rencontrer. Peu importe la personne. Peu importe la personne. À chaque fois. Plaisant. Là. Continuez par ici. Là-bas, c'est juste un lac, ça aboutit nulle part. Je vous conseille d'aller où je reviens, c'est vraiment beau. Oui, c'est une rivière, ça longe pendant quand même longtemps, là, vous en avez pour un bon bout. De rien. Ça peut toujours être sympathique de donner des indications aux autres. C'est vraiment gentil parce que moi aussi, tantôt, ça m'est arrivé. Je cherchais un bel endroit où aller. Puis en regardant sur Google Maps, si je continue. Parce que dans le fond, il y a deux chemins. Un qui. On peut pas voir où est-ce que ça aboutit, mais il y en a un qui aboutit. C'est juste un petit lac. Puis c'est fermé. Puis l'autre, c'est juste c'est une longue rivière. Puis il y a des beaux passages. C'est tout ce que je viens de filmer. Mon Dieu, c'était vraiment rapide de revenir. À gauche, on a la plage. On voit que j'arrive à... Je sais pas si on est capable de la voir, mais... C'est ça. C'est ça. Comme j'expliquais tantôt, là, dès que j'arrive au chalet, je vais essayer de convaincre Jérémy de peut-être aller faire de la trottinette. Puis s'il veut pas, mais moi... Honnêtement, en vrai, là, j'aime mieux qu'on fasse... Que j'aime mieux aller faire du vélo. Jérémy, il se repose, tu sais, tout ça.
Je sais pas s'il veut se reposer encore, s'il veut dormir. Mais gars, moi j'ai vraiment envie de profiter de la belle journée qu'on a aujourd'hui. Parce que hier, je sens que j'ai pas assez fait de choses. C'était vraiment nice, c'est malade, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait assez de choses. Fait que aujourd'hui, kayak, vélo. Ensuite, on va faire de la trottinette, moi PJ. Moi puis Nagzi, c'est-à-dire. Puis ensuite, on s'en va au buffet des continents! Ça va être malade! Ça va être fucking nice. On a tellement hâte, là. C'est... En tout cas, moi, j'ai hâte, hein, s'il vous plaît. Parce que je sais que je vais avoir faim en esti tantôt. C'est le fun parce que j'ai quand même une bonne vitesse. Juste que ça apparaît pas étant donné qu'on est au milieu du lac. Ça fait du bien. Juste cet air frais. Oh mon Dieu, c'est juste incroyable comment ça fait du bien d'être ici. Là, je suis à contre-vent. Oh! Mais c'est pas grave. Ça va bien quand même. Oh, de loin, je vois une maman canard avec tous ses bébés canards en arrière. On est vraiment loin. Sinon, c'est impossible pour moi de la montrer. Dommage. Tant mieux si on le voit sur la caméra.
J'ai 10% de batterie qui me reste. Ok, faut que je fasse attention. Faut que je revienne au plus vite. Je peux pas croire que presque 100% de ma batterie s'est drainée comme ça. Mais regarde, c'est pas grave. J'avoue que j'ai filmé pendant quoi, 1h30? J'ai filmé pendant 1h30, 1080p, 60 fps. Donc, Mané, le téléphone, il commence à être fatigué, hein? Du chalet de plus en plus. Je vais être capable de me rendre jusqu'au chalet sans que mon téléphone il se ferme. Ça, j'essaie de me dépêcher. J'essaie d'aller vite. Hey, ça prend de la force. Par exemple, ça va vraiment avoir fait du bien. Mon dos, après ça, il va vraiment me remercier. J'ai découvert que les vidéos en une prenaient beaucoup moins de place que plusieurs vidéos. Donc, c'est le fun. Juste après ça, on est presque rendu. Je vais juste avouer que j'ai un peu peur pour ma batterie. De toute façon, ça va enregistrer, mais... Attends, en vrai, je vais l'arrêter tout de suite. C'est bon, il me reste encore 9% de batterie. J'ai le temps de me rendre. Mais après ça, je dois le charger.
Je meurs de soif, j'étais mort de bas de l'eau. T'en voulais faire du kayak? Ben oui. Hein, Chris, je veux-tu venir en faire avec toi? Ouais, moi, je fais juste pas promener ici. Ici? C'est bon. Tu vas filmer tes maudites belles affaires. Ah, tabarnouche.